Sugar, alicante, merci. Ouverture de volet. Parole. 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 Ouvert de 10 000. Sans moi. Suivi les 10 000. Passe. Tapis. Carte. Une. 3 bleus. 3 bleus. Une ici. Et une ici. Le temps. $50 000. Vu les 50. Allez, moi, je suis tapis. Montre. Foule aux as par les as. Oh, ben, les raides, celle-là, dis donc. C'est un miracle, les Charlots. Comme c'est curieux. Enfin, ça peut arriver. Voilà, il y a mal donné, les gars. Oh, ça m'étonnerait. Flush royal. Je crois, messieurs, qu'on a gagné. Eh oui. Eh oui. Eh oui, ils l'ont gagné. On va prendre un café. Un petit café. Thank you.
J'entends l'odeur des croissants chauds. Coucou, madame Dufollet. Oh. Mais qu'est-ce que vous faites dehors de si bonne heure? Nous avons passé une partie de la nuit dans une soirée composée de gens fort peu recommandables. Et là, un vide gousset a jugé bon de nous délester de nos économies. Non. Si. Et comme nous passions à proximité de votre boutique, l'odeur sympathique des croissants chauds n'a fait qu'un tour dans nos estomacs et nous a conduits directement vers vous, comme l'étoile a guidé les rois mages. Si j'ai bien compris, vous voulez des croissants et vous voulez pas de sous. En clair, c'est ça. Combien en voulez-vous? Bon, tenez, je vous en mets 5 à chacun. Ils sont trop beurs, vous savez. Mais j'espère bien. Enfin, je veux dire, je crois bien. Merci, madame Diffelet. Merci, madame. Merci, madame. Il y a des endroits où on ne vole pas, où on emprunte. Et là, en l'occurrence, tu laisses tomber. Chère madame, merci infiniment. Et bonne journée. Bonne journée pour vous aussi. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Charlot, une chose que je ne comprends pas, c'est ton merde. Et alors, ça va pas, non? On ne peut pas faire attention? Ce soir, faudrait peut-être que tu obtiennes de ta vienne une avance substantielle. Il n'y a rien à faire. Déjà, quand je travaille, je ne veux pas me payer. Tu penses? Bah, fais-moi passer pour ton impresario. Oui, impresario. Je me ferai cracher, tu sais. Oh. J'en ai fait cracher tout d'un. Oui. Attention à la marche. Hein? Attention à la marche. Tu voulais pas me dire avant, non? Mais je te le dis, attention. Qu'est-ce que c'est, vacarme? Aldo, vous me faites devenir zinzin. Il y a une heure que tout le monde vous attend. Un cours de danse, c'est pas où on est parti de plaisanterie. De plaisir. Qui c'est celui-là? C'est monsieur Bidard, mon impresario. Chère madame, je ne voudrais pas chicaner, mais les conditions de travail dans votre établissement sont plutôt précaires. Alors, je vous ferai... Oh! Bonjour, mesdemoiselles. Aldo, si vous ne commencez pas tout de suite votre cours, je vous envoie la porte. Vous n'avez rien à faire ici. Ah, pardon. J'ai justement une petite demande à vous faire. Partez! Parfait. Raimoldi, Alfredo et Ernestino, dit Aldo, dit la classe. Né le 13 mars 37 à Palerme, Sicile. En 72, 15 jours de prison ferme pour tentative de vol du vélo d'un garde champêtre. Taille 1m84. Profession, chorégraphe. J'en foutrais des chorégraphes. Et alors? Et alors? Ce serait un caïd de la mafia que ça m'étonnerait pas. Mais non, monsieur le divisionnaire, c'est un ringard. Écoutez, Benoît, je ne vous ai pas demandé votre avis. Hein? Non, monsieur le commissaire. Pardon? Non, monsieur le divisionnaire. Ouais. Qu'est-ce que vous foutez avec votre ceinture? Thank you.
empereurs. Charlemagne, Alexandre, dit Charlot, dit l'éponge. Oh, ça me dit quelque chose, éponge. Ouais, c'est le plus fibre des trois. Récidiviste, six fois en tôle, son dernier exploit, 2 mois pour un combat truqué. Il a pris pour plus de 10 millions de paris, il a ramassé le magot et il s'est tiré. Seulement, il a récolté une cinquantaine de plaintes au cul dans une de la Fédération Française de Boxe. Petit exploit. Oh, stop, 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 arrêtez le massacre. Ah, bah ça tombe bien. Viens par ici, viens par ici. Viens. Tu tires contre qui, samedi? Je t'ai fini, Hidalgo. Dur. Monsieur Charlot, vous auriez pas une ficelle pour moi? J'ai pas de ficelle, mais j'aurais peut-être un élastique. Un élastique? Ouais. Imagine, tu tiens comme tu peux les deux premiers rangs. Pendant la pause, ton soigneur cisaille le caoutchouc de ta culotte. Discrètement et presque jusqu'au bout. À l'appel du gong, tu te lèves. Tu gonfles l'abdomen, l'élastique casse, ta culotte dégringole, Stéphane se marre, et alors là, tu perds pas de temps. Couche-toi, tu percutes, et c'est réglé. Y a rien dans les règlements de la Fédération Internationale sur les élastiques qui craquent. Ah, c'est pas con votre truc, monsieur Charlot. Mais j'en ai 50 des trucs comme ça. Si tu me laisses te manager dans 2 ans, tu boxes au Madison Square Garden. Oh, merci, monsieur Charlot. Tu me remercieras plus tard, quand on sera aux Amériques. Allez, petit. Si vous le permettez, monsieur le commissaire, il s'est grillé. Ouais, comme un poulet. Qu'est-ce qui vous fait rire? Eh ben, comme un poulet, grillé comme un poulet. Intelligence. Oui. Et celui-là? Bidard, Jean, Amédée Théophraste, dit la presse. Joueur, menteur, frimeur, cavaleur, fainéant. C'est tout? Non, intelligent. Ah bon? Ouais, c'est sans doute le cerveau. Ah, vous croyez? Oh oui. À mon avis, vous perdez votre temps avec celui-là. C'est un ringard. Oh non, c'est un individu dangereux, Benoît. Il a quand même pris 6 mois ferme pour avoir encaissé des contrats de publicité pour un annuaire de téléphone bidon qui n'est jamais paru. Alors si celui-là est un ringard, moi aussi je suis un ringard. Hein, pardon? Non, rien, monsieur le commissaire divisionnaire. Marquez-vous! Je suis désolé. Merde, t'es con, hein. Benoît, je brûle. Ah bon? Regarde mon pic, il est pas gonflé. Mais non, c'est un modèle d'esthétique. Ah bon? On était sûr, ils magouillent ensemble. Ça, on peut dire que vous avez du nez, monsieur le divisionnaire. Comment ça, du nez? Elle a du nez? Ah oui. Qui lui a ouvert la route. Eh oui, je dis cours après moi que je t'attrape. Et j'ai démarré. Oh, tiens, vous êtes encore là, vous? Gendarme. Ah oui, c'est un divisionnaire Garmiche. Oui. Rangez-moi ça. Avec respect. Rangez-moi ça, je vous dis. Vous pouvez disposer. Oui. Je peux peut-être vous aider. Non, je le ferai moi-même. Allez, tirez. Je vous demande pardon. Mais respect, monsieur le divisionnaire. C'est ça, au revoir. À bientôt. Mais quand cesseras-tu de faire des bêtises? Petit bonhomme, tu me poses des problèmes. Plus pour longtemps. Ce qui veut dire? Tu sais, Françoise, elle m'a proposé une place au ministère. Françoise? Françoise de Saint-Géron? La secrétaire d'État à la condition pénitentiaire? Exact. Et moi, chargée de mission. Oui. C'est une plaisanterie, non?
J'ai décidé de devenir une femme libre et responsable. Voilà. Encore une de contaminée, non mais... Mais qu'est-ce que vous avez tout à vouloir être libre, quoi, libre? Et d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Je constate ton ignorance. Je constate mon ignorance, mais... Moi, je peux te dire une chose, c'est que la liberté, ça veut rien dire du tout, la liberté. La liberté, c'est une notion abstraite. La liberté. Oh, évidemment. Étant donné que tu passes le plus clair de ton temps à mettre des gens en tôle, la liberté est un sentiment que tu ne peux pas comprendre. Ah bon, parce que d'après toi, c'est un sentiment, la liberté? Parfaitement. Ah ben alors, justement, si c'est un sentiment, c'est bien ce que je dis, c'est une notion abstraite. Alors, si je comprends bien, moi, je mets les malfrats en cabane, et toi, tu vas passer ton temps à les border. J'ai tout compris. Annie. Oh, mais franchement, est-ce que t'as besoin de ça? Hein? Enfin, quoi, t'es pas heureuse ici? Tu veux pas tout ce que tu veux? Est-ce que je me suis pas saigné au Cadven pour t'installer dans la maison? Et quand t'as voulu ta voiture de sport décapotable, est-ce que j'ai pas dit oui tout de suite? Hein? Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? Et puis, je vais te dire une chose, moi. Hein? Je suis sur une grosse affaire. Je suis en train de coincer 3 lascars, un chef-d'œuvre de malhonnêteté. Si je réussis, c'est l'avancement à coup sûr. Oh non, je ne crois plus à tes histoires d'avancement. Ça fait 5 ans que tu me répètes la même chose et depuis 5 ans, tu n'avances pas, tu recules. Alors moi, j'ai décidé d'avancer toute seule. Mais attention, je te ferai remarquer qu'il y a 5 ans, tu étais dans le box des accusés. Et si j'étais pas intervenu, tu aurais passé quelques temps au frais. Ça conserve. Quoi? Le frais, ça conserve. Je t'ai rien demandé. Ah bon? Ah, tu veux la guerre? Bien, parfait! Comment je te préviens, Annie, hein? J'ai de quoi lutter, moi. C'est ça! Fais jouer tes appuis politiques comme tu l'as fait pour passer divisionnaire! Je t'interdis! Je sais, c'est ton métier! Ah, c'est que je voudrais être pédé! Et d'où ça sort, ça? C'est une affaire, mes tout petits, c'est une affaire. C'est un ralec tout neuf. Eh ben, ça a pas dû coûter cher, hein? Non, pas vraiment. En attendant la voiture, nous nous déplacerons à bicyclette. Non, tu trouves pas, c'est un peu rétro, ça? Le cycliste n'est pas un survivant folklorique du passé. C'est le pionnier de l'avenir. Et c'est signé qui, ça? Paul Guth! Ah, bah, tu vois. Ben oui, Paul Guth. Allez, on va manger, viens. Allez. Et ça marche, viens? Hey. Le départ de la course, mes petits, aura lieu à 14h très précise, le dimanche 24 juin, sur le circuit Paul Ricard. C'est le Grand Prix de la Saint-Jean. Ils ont un drôle de goût de tes pâtes. Hein. Ils sont... C'est le fromage. Alors, à 14h précise, c'est le départ de la course. 5 minutes avant, les guichets sont fermés. Ouais. C'est les pâtes, hein, j'ai trouvé. Mais elles sont extra. Bon, alors, les pâtes sont mises en vrac Le fric est mis en vrac dans des sacs. Hé, hey, j'ai trouvé, c'est pas de la sauce tomate. Quand on n'a plus de sauce tomate, on met du ketchup. Et t'as mis des ketchup dans la pâte, toi? Pas du ketchup, ketchup. Mais c'est la même chose. Je vous parle d'un hot-dog de 300 briques. Et vous êtes là, vous, à discuter de Boostify. Mais si ça ne vous intéresse pas, dites-le tout de suite. Parce que je ne vais pas user ma jeunesse à me creuser le cigare pour des marioles comme vous. 300 briques, 300 bâtons, ça vous dit quelque chose? Mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ces tronches. 2 analphabètes. Le 24 juin, un fourgon blindé et bourré de 300 millions quitte le Castellet pour aller déposer son précieux butin à la Caisse nationale de Toulon. Est-ce clair? C'est clair. Et cela n'est-il pas plus intéressant que de connaître la composition de la sauce de ce pauvre taré? Ah bon? Allez, vous me coupez l'appétit. Envoie le camembert. Oh, le camembert. Et le camembert est dans les pattes. Voilà. Oh, merde.
T'as mis camembert dans les pâtes? Oui, monsieur. Mais c'est bien ce que je disais, c'est le fromage. Mais on met pas camembert dans les pâtes, quand même. Allez, ça suffit. Au travail. Bon, allez. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Oh, oh. Alors, là, c'est la déviation de la RN8 que Charlot met en place au dernier moment, juste avant le passage du fourgon, ce qui l'oblige à venir s'engager sur la petite route de Cérès, là où je me trouve, précisément. T'entends, Charlot? 5 sur 5. Sur la terrasse, juste au-dessus de la ligne de départ, là, tu vois, c'est toi. C'est moi, ce petit bonhomme-là? Oui. Avec la casquette? Oui. Oh, c'est bien ça, Charlot. Alors, dès que tu vois le fourgon démarrer, tu bigophones à l'éponge pour lui dire de mettre en place la déviation. Et je dis, le fourgon démarre. Mets-toi les panneaux. Voilà. Espèce d'imbécile, il y aura peut-être des gens autour de toi. Et qu'est-ce que j'ai dit, Jeannot? Je sais pas, moi, tu dis... par exemple, les Ferrari sont en tête. Et si c'est pas vrai? Bah alors, tu dis, les Ferrari sont pas en tête. Ah. Et s'il n'y a pas de Ferrari? Il y aura des Ferrari. Il y a toujours des Ferrari. C'est toujours les Ferrari qui gagnent. Pas toujours, Jeannot. Toujours! Toujours. Bon. Tu m'écoutes? Oui, oui, Jeannot. Bien. Alors, tu prends ton vélo? Oui. Et tu me rejoins là, sur la petite route qui borde le circuit. C'est toujours moi, ce petit bonhomme dans la vélo? Mais évidemment que c'est petit bonhomme dans la vélo. Qui veux-tu que je sois? Ça n'a pas changé. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Tu sais monter à vélo, moi? Excusez-moi, Jeannot. Enfin, j'étais trois fois champion minime de les Pouilles. Les Pouilles, qu'est-ce que c'est, les Pouilles? En italien, on se dit de les Pouilles. Mais en français, on dit les Pouilles. Bon, c'est pas mal aussi, celle-là. Tu permets? Alors, les convoyeurs passent la déviation et Charlot bigophone. Mais qu'est-ce que je dis? Tu dis, Furet appelle Castor, le hérisson arrive. Bon. Et tu viens nous rejoindre, Aldo et moi, près de la voiture. Mais quelle voiture? Ben, la voiture qu'Aldo conduira dès que nous en aurons trouvé une. Comme tu vois, c'est pas pour aujourd'hui. C'est pas mal, ça, Jeannot. Bravo. Bonjour, madame Garmisch. Salut, Fernand. Pas encore en vacances? Dans 4 jours, je pars au Tréport. Ah, bah c'est pour bientôt. Ah, ça commence bientôt. Madame de Saint-Chéroux vous attend. Salut. Ah, te voilà, toi. Assieds-toi. Tu veux une tasse de thé, un scotch? Pas du tout, rien, merci. Alors, dis donc, Garmisch, comment il a pris la chose? Bah, il a gueulé, comme d'habitude. Mais dis-moi, là, chargé de mission, ça consiste en quoi? Pouf, je t'expliquerai. Mais raconte-moi plutôt, Jean-Jacques. Jean-Jacques? Mais largué. Ah bon? Et Billy? En tôle. Dis donc, c'est Garmisch qu'il a... Ah non, tout de même pas. Ouais, remarque, il le méritait. Et toi, là, ton chef de gare, toujours cocu? Mon chef de gare, tu exagères. S'il t'entendait, et tout de même directeur de la SNCF. Ouais, quoi, c'est un super chef de gare, quoi. Bah oui, si tu veux. Et toujours cocu. Ah oui, toujours. Donc maintenant que tu as un emploi du temps, on va se faire des petites sorties. Mais c'est un peu pour ça que je suis là, non? Chut. Bon, je vais te mettre au courant de ce que tu auras à faire. Mm-hmm. Je vais te monter ton bureau. Un beau bureau, tu sais. Thank you.
pas un peu petite? Oui, mais va vite celle-là. C'est l'auto Bianchi. Auto Bianchi Rital. Oui, vas-y, 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 vas-y. Attends. What are you doing with my car? On regardait à l'intérieur de votre voiture, c'était... Oui. Beautiful car. Oui, it's a beautiful car, but it's my car. Italiana. Yes, it's Italian. Anche la macchina italiana. You italiana. Yeah, no, no. You no, beautiful no. aussi. I have never vu une aussi jolie femme. Merci, merci, merci. Je peux vous conduire quelque part? Si. Oh, non, 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 c'est pas la peine. Non. Beautiful. Yes, beautiful. Voilà. Però una bella ragazza. Hai parlato di tu. Il y a un mec dans la voiture. On ne peut pas voler en voiture avec un mec. Ah non, ce sera un kidnapping. Et alors? C'est toi le chauffeur! Et pourquoi pas toi? Parce que moi, je ne sais pas conduire. Mais moi non plus! Et toi, Charlot? Parlez de reporter, moi, les gars! Merde, les flics! Oh, mais on est tout con! Oh, on est con! Comment avez-vous été avisé? L'intuition et la persévérance sont les deux mamelles de la brigade. Mais ce sont des gangs qui s'affichaient? Non, ce sont des chevaux de retour qui veulent se faire passer pour des agneaux, mais en réalité, ce sont des individus dangereux. Dis quelque chose. Un mot, bien. Gormiche, comment ça s'écrit? Eh, c'est Garmiche, c'est pas Garmiche. Tu vas trop souvent au cinéma, Vidard. Ça te donne de mauvaises idées. Voyez-vous, lorsque petit enfant, je regardais les films policiers, j'avais toujours envie que ce soit les gangsters qui gagnent. Je sais pas pourquoi. On ne se refait pas, monsieur le commissaire. On ne se refait pas. Oh! Où est le pognon? Quel pognon, monsieur l'inspecteur? Commissaire, pas inspecteur. Commissaire? Félicitations. Tu promotion récente? Tu te fous de ma gueule? Je m'en garde. À qui avez-vous filé le fric? De quel fric voulez-vous parler, monsieur l'inspecteur commissaire? C'est moi qui pose la question ici. Vous savez, moi, les devinettes. Ouais. Bien sûr, c'est sans doute ni toi ni Tégus qui avait braqué la banque. Quelle banque? Tu te fous de ma gueule? C'est une obsession.
Tu ne sais pas qu'une banque a été braquée à 50 mètres de la bagnole où vous avez été épinglé. Tu ne sais pas qui a fait le coup. Tu ne sais pas qui a planté l'oseille. Tu ne sais pas que je suis le commissaire Garmisch. Enfin bref, tu ne sais rien. Voilà, il ne sait rien. Mais ça, je le sais. Je ne savais pas que vous étiez passé commissaire, mais votre photo, j'ai souvent vue dans le journal. Vous voulez me permettre un conseil? Je suis du métier. Je vous préfère de face. Le profil ne vous avantage pas. C'est fini, tes salades? On ne pense jamais assez à ces détails-là. Arrête tes salades, je te dis. Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Où ça? Dans la voiture. J'étais avec mes amis. Et ça, on le sait, mais qu'est-ce que tu foutais avec tes amis? On gardait. Vous gardiez quoi? La voiture. Vous faisiez le guet. C'est ça. Pendant que les autres braquaient la banque. Quelle banque? Ça recommence. Et tu viens de me dire que vous faisiez le guet. Pour garder la voiture. La voiture de qui? De l'ami d'Aldo. Aldo qui? Aldo Rimoldi. La classe. Monsieur Vidal, Jean, dit Jeannot, dit la presse. Je vous donne deux minutes pas plus, pour que vous m'expliquiez ce que vous foutiez là-bas, toi et tes zigons. Avec ma concision habituelle, 90 secondes me suffiront, monsieur le commissaire. La classe, qui est italien, un ami italien, qui a une voiture française et une petite amie. Italienne? Si vous m'interrompez sans cesse, on va perdre du temps. Continue, tu m'intéresses. Alors, rendre visite à sa petite amie, dans sa voiture dont la serrure fonctionne mal, ce monsieur nous a demandé le service de bien vouloir la lui garder. Sa voiture, bien entendu. Et tu t'imagines que je vais avaler ça, toi? Si vous préférez une erreur judiciaire. Comment il s'appelle ton italien? Ah, moi je l'appelle l'italien. Et l'autre à côté, ton pote, là, il le connaît peut-être? On peut toujours le lui demander. Benoît! Oui, monsieur le commissaire? Alors? Ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qui est fait? Ben, ils ont tout dit. Tout dit. Il a dit quoi? Hein? Eh ben, il a dit qu'il se promenait avec les deux autres. Et puis qu'en entendant les pompiers, ils ont... Non. Quand j'entendais la sirène des policiers. Oui, la sirène des policiers, ils sont cachés dans un caniveau. Dans une voiture. Ben oui, dans une voiture. Dans une voiture dont les portières étaient toutes vertes. Non, ouvertes. Ouvertes, la portière. Ah oui, les portières étaient ouvertes. Ben oui, pour notre magasin aussi. Oui, tu dis. Non. D'accord. Bon, il s'agit sans doute de la voiture de ton ami. Quel ami? Ton ami portugais. Oui, monsieur le commissaire, oui. Mon ami portugais. Quel con. Ah ben ça, vous me l'avez pas dit, ça. Je m'excuse. Ah ben ça fait rien, c'est pas grave. Disons la presse. Il était italien ou portugais, l'ami d'Aldo? C'était peut-être un italien d'origine portugaise. Ou un portugais d'origine italienne, hein? Oh, Benoît, foutez-moi tout ça au bloc, hein? Je vais voir mon consul. La presse mondiale sera informée. Ta gueule! Appelez les services des égouts! Vous êtes en train de faire ça! Et celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, il dit qu'il veut parler en présence de son avocat, alors. Qui est son avocat? Bah, il en a pas, il dit n'importe quoi. J'ai pas besoin d'avocat puisque je suis innocent. Et puis, il faut remarquer que je nie tout au bloc. C'est ça, au bloc. Ouais, bah, viens. Allez, hein. Monsieur le commissaire, ouais. Il y a Corbillot qui est toujours là. Corbillot, quel Corbillot? Le caissier, témoin de la banque. Caissier de la banque de quoi? Enfin, monsieur le divisionnaire. Oh, ils vont faire tourner en bourrique ces trois-là. Bon, bah, qu'il entre. Monsieur Corbillot. Corbillot. Monsieur Corbillot. Corbillot, il n'y a pas eu un Corbillot dans l'armée, colonel Corbillot? Je crois pas. Ou alors, il y a longtemps. Oui, ça n'a pas d'importance. Dites-moi, reconnaissez-vous ces trois hommes? Je pense bien. Ah oui? Tous les trois? Bien sûr, tous les trois. Je les ai vus de près. Benoît, venez voir ici. Monsieur le divisionnaire. Bonne nouvelle. Cette fois, on les tient. Monsieur Corbillot vient de les identifier tous les trois. Comment tous les trois? Mais il n'était que deux dans la banque. Comment avez-vous fait pour reconnaître tous les trois puisqu'il n'était que deux dans la banque? Je n'ai jamais dit que je les avais vus dans la banque. Où et quand les avez-vous vus? Sur la banque, de là, tout à l'heure. Dans le couloir. Benoît! Gare!
Vermiche! Ah, oui, monsieur le directeur. Ah, mais nous progressons, monsieur le directeur. Oui, monsieur le directeur, où ça ne serait tardé. Oui, sont les deux mamelles de la brigade. J'ai l'intuition qu'il va nous en falloir de la persévérance. Bon. Eh bien, puisqu'ils ont décidé de se foutre de ma gueule, nous allons mettre tout ce beau monde au frigidaire. On verra bien qui aura le dernier mot. Alors on les bloque. Et comment? Et dans la police, il n'y a pas eu un corbillot? Peut-être, mais... ça remonte loin. Faudrait faire des recherches, des papiers, tout ça. Oui. Mon bébé, mais il faut vraiment avoir l'esprit tordu comme un flic, hein, pour faire des choses pareilles. Mon petit bonhomme, habille-toi, je t'emmène au restaurant, nous allons fêter ma victoire. Quelle victoire? Riboldi, Bidard, l'empereur, grâce à mon esprit tordu de flic, sont tous les trois au frigidaire. De quoi alimenter la presse de demain. Ça ne te fait pas plaisir? Qu'est-ce que tu fais? Je saute de joie. Ah, tu devrais, parce que c'est la promotion à coup sûr. Alors, je te peux le croire, c'est un sacré coup de filet. Hein. Depuis 6 mois, je ne les lâche pas et je viens de les coincer en flagrant délit de hold-up dans une banque. Ils ont piqué combien? Ça, on ne sait pas encore. Comment vous ne savez pas? Non, on n'a pas retrouvé les sacs. Quoi? Vous avez envoyé 3 pauvres types en prison sans savoir pourquoi? En préventive! Mais c'est pareil! Bon, mais de quoi je me mêle? Mais ça me regarde, figure-toi. Les prisons sont surpeuplées et toi, tu envoies des innocents comme ça. Mon petit bonhomme, si les prisons sont surpeuplées, ça prouve que la police fait bien son travail. Et puis tu m'ennuies avec tes problèmes d'intendance et de fonctionnaire. Et puis quoi? Je vais pas me justifier, non? Oui, parce que toi, t'es pas un fonctionnaire. Si, je suis un fonctionnaire, moi. Mais un fonctionnaire qui fonctionne, c'est toute la différence. Non, mais vous vous prenez pour qui dans votre petit ministère de merde, là? Ah oui? Eh ben, tu vas voir de quoi il est capable, le petit ministère de merde. Ça, mon petit vieux, vous allez avoir des surprises. Le règne des phallocrates est terminé. Désormais, il va falloir compter avec nous. Non, mais c'est pas une succursale. Il est MLF ici, non? Bidard innocent. On aura tout eu. En tout cas, ils sont pas prêts de sortir de cabane, ces trois-là. Pour l'affaire, mon tricote! On t'emmerde! Silence! Riboldi. Je suis là, monsieur Marcel. Alors, mon petit Riboldi, ça avance, mon cache-colle? Est-ce qu'elle finit? Il faut d'herche. C'est un beau dégueulasse. La ferme! Fayotte? Hein? Il a dit ou Fayotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as lèche-cul, mon petit Aldo. Rassemblement de la nef pour la visite du secrétaire d'État. Émaillez-vous! Ouais. Tout le monde dehors! Rassemblement au rang par 4! Oh. Et dans le silence! Oh. Marcel, ouvre. Dépêchez-vous. On a reçu les fleurs? Oui, oui, tout est prêt, monsieur le directeur. Très bien, alors il faudrait trouver un homme qui soit capable de dire un petit mot, quoi, une petite chose, un petit compliment. Oh. Rimoldi fera ça très bien, monsieur le directeur. Et puis, c'est un brave garçon. Romoldi? Rimoldi. Dites-moi, Marcel, vous croyez qu'il va s'en sortir? Oh, il a la classe pour ça. Oui, et puis de toute façon, on n'a plus le choix. Hein? Allez-y. Je suis madame Garmisch, la femme du commissaire, chargée de mission. Mes hommages, madame. J'ai beaucoup d'admiration pour, comment dirais-je, votre mari. Beaucoup. Vous êtes bien seule. Bien, ah. On y va? Oui, oui, quand on veut.
Mais vous n'avez pas peur que, comment dirais-je, votre présence provoque, parce que vous savez, ce sont des gens qui ne voient jamais, jamais de femmes. Mais ça les décontractera. Ah, vous croyez? Mais j'ai réuni les moins agressifs de façon. Nous n'avons aucune crainte, il suffit de savoir les prendre. Si vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît, c'est tout droit. Vous pouvez passer à la milice, s'il vous plaît. Silence! Excusez-les, c'est la première fois qu'ils voient une... Mais non, au contraire, laissez-les s'exprimer, s'extérioriser. C'est déjà une libération. Messieurs, merci pour vos sifflets d'admiration, cela prouve que vous avez beaucoup de goût. Silence! Nous avons en projet depuis longtemps d'accorder des libérations anticipées à certains d'entre vous condamnés à des peines légères. Silence! Et pour les autres, la mise en liberté surveillée sous le contrôle du secrétariat d'État. Tu entends ce qu'elle dit? Oui, oui. Alors, cette opération s'appellera... On est là par erreur. C'est une erreur. Voilà, alors j'ai dit qu'on est là par erreur. C'est à la suite d'un malentendu que nous sommes là. Alors j'ai dit malentendu ou une erreur? Ben, tu dis ce que tu veux, mais tu t'émerdes. À la condition pénitentiaire. Rimoldi. Voilà, j'arrive. C'est lui? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Un grand type pas très futé avec l'accent italien. Eh, Fayo! Eh bien, monsieur Rimoldi, les Italiens parlent beaucoup d'habitude. Oui. Il faudrait qu'on se voie ailleurs. Surtout que vous n'attendez pas à quelqu'un. Enfin, je veux dire que vous êtes plutôt bien roulé, quoi. Et vous êtes très gentil d'être venu et nous apporter cette fraîcheur. En compagnie de mademoiselle qui est très charmante aussi. Vous êtes un rayon de soleil dans le trou noir de notre vie. C'est déjà pour nous une libération. Rimoldi! Mais non, laissez. Continuez. Bon, je veux dire que nous, on est là pour une erreur. À cause d'un malentendu. Qui, nous? Ben, Bidard, l'éponge, le presse, mes compagnes, là. Et où sont-ils? Bidard, l'empereur. Présent. Approchez. Et voilà. On a pensé que vous aimez les fleurs. Alors on a cueilli cette modeste bouquet ce matin dans le jardin. Pour vous. Vous êtes trop aimable. Eh bien, monsieur le directeur, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je crois que nous pouvons libérer ces trois hommes. Et monsieur et madame la ministre, c'est... Sous ma surveillance personnelle, bien entendu. Ah oui, mais il faut une levée d'écrou. N'ayez aucune crainte, je ne vous poserai pas de problème. J'ai une circulaire du Premier ministre. Mais non. Mais si, merci, vas-y. Et voilà le travail. Trahi dans ma propre femme. Tu es contente, tu m'as ridiculisé. Coulommiers, prison modèle. En vertu de l'article 12, la femme du commissaire Garmisch prend en charge les délinquants qu'il avait fait incarcérer. Voilà. J'ai l'air malin. Tu devrais être content, tu as ton nom dans le journal. Ah oui, dans le canard enchaîné aussi. Mon nom, en rouge au-dessus du titre. Garmisch, deux points, le commissaire est bonne d'enfant. Alors qu'est-ce que c'est assez drôle, enfin tout de même. On dirait du Courteline. Eh ben, Courteline ou pas, j'irai jusqu'au Premier ministre, vous m'entendez? Et je vous prie de croire qu'il y aura du bruit dans l'environnement. Je vous signale que l'ensemble des mesures a été dictée par monsieur le Premier ministre lui-même. Parfait, bien sûr, jusqu'à la présidence, s'il le faut. Ben, rendez-vous compte que vous avez ruiné en un instant le travail de toute une équipe qui, pendant des mois, s'est dépensée jour et nuit pour traquer ces dangereux gangsters. Je te signale aussi que nous avons la charge de leur réinsertion dans la vie civile. Et ça, c'est une de mes fonctions. Je t'interdis, une fois pour toutes et personnellement, d'avoir des rapports avec cette racaille. Écoutez, commissaire, je prends la responsabilité entière de cette affaire. Les trois détenus libérés doivent être considérés comme des citoyens à part entière. La police n'a pas à s'en occuper. Annie les prendra en charge et gardera le contact avec eux. Parfait. Et ben voilà, et moi pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle, le ménage et les courses. Et pourquoi pas? C'est le monde à l'envers, quoi. Je comprends plus rien, moi. Dis-moi, toi, pourquoi as-tu choisi justement ces trois-là? Ça s'est passé comme ça, mais on l'a pas fait exprès. Bon. Pas dit mon dernier mot. Oh, il est pas content, hein? Oh,
Oh non, il est pas content. Si on organisait une petite fête pour détendre l'atmosphère. Ça me paraît une excellente idée. Attends-nous, Janot. Attends-nous. Janot, on peut pas s'arrêter deux minutes. Un homme en pleine possession de ses moyens doit savoir souffrir et se dépasser. Oui, mais... Le vélo est la meilleure façon d'y parvenir. C'est qui cette connerie? De moi. Ah, bah, ça m'étonne pas. Hey, Janot. Oui? Je ne savais pas que t'étais un champion, toi. Tout part du cerveau vers les jarrets. C'est un problème de volonté. Ah, c'est superbe. La récompense est au sommet de la côte. C'est encore loin, ton truc? Non, c'est tout prêt, on va se faire. Janot? Là. Eh bien, mon cher président, je vois à la santé de la police. Tout quoi qu'on en dise, se porte beaucoup mieux que certains auraient intérêt à le laisser croire. Quand j'ai dit que certains auraient intérêt à le laisser croire, la police. L'intérêt de certains. Alors, si je vois à la santé de la police. Je vous présente messieurs Bidard, Rimoldi et l'empereur. Ce sont les trois détenus libérés dans le cadre de notre campagne de libéralisme. Ça alors. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Hein? Tenez-moi ça. Tu tiens vraiment à me ridiculiser, toi? Oh, monsieur le commissaire, quelle surprise! Comme tu dis, oui. Sourire. Commissaire, je voudrais organiser un colloque. Je voudrais vous en parler, mais... Commissaire! En boxe, l'important, c'est de donner des coups, pas en recevoir. Bon. D'abord, rotation du tronc. Une, deux. Je me présente. Jean de Saint-Flour. Et moi, je suis chorégraphe. Chorégraphe? Mais bien sûr. Et qu'est-ce que vous faites, chorégraphe? Hey, Charleston. Enfin, le foie. Très important, le foie. Une, deux. Hé, hey, ben, je pense bien que c'est important. Hey. Il faut que vous compreniez que dans la conjoncture actuelle, cela représente une victoire aussi bien pour vous que pour moi. C'est pour ça que je tiens absolument à ce que vous soyez présent à ce colloque. Mais non, c'est pas vieux. Moi, je le fais moderne, Charleston. Vous viendrez, n'est-ce pas, commissaire? Pardon? Bon, eh bien, écoutez, allez voir quelque chose, je vous retrouve tout à l'heure. Alors. Elle est partie. Le foie. Oui, oui. Vous êtes très fort, monsieur Bidard. Ça mérite un coup de chapeau. Qu'est-ce que vous faites? Charleston. Oui. C'est bon, je te préviens, la presse. Je t'ai à l'œil, toi et tes deux guignols. Écoute, monsieur l'inspecteur. Commissaire. Vous avez de la tête, pardon, commissaire. Vous avez tout pour plaire. Vous avez une femme charmante. Il fait une journée merveilleuse. Nous sommes dimanche. N'êtes-vous pas un homme comblé? Je sais que vous avez le sac. C'est pas le moment. Décidément, c'est une fixette. Oh, cher ami! Du noblard. Ah, noblard, comment vous écrivez ça? Art noble. Ah, de l'art noble. C'est ça. Mais le pire, c'est la fausse garde. Ah. Alors là, faut tourner dans l'autre sens. Ah, très bien. Comme ça. Une, deux, direct du droit. Ah, bah, dites donc, vous, alors. Ah, mais attendez, c'est pas fini. L'uppercut, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et quand on le réussit, c'est imparable. Regardez. Oh, merde. Excusez-moi. Extra. Alors c'est vous qui faites la cuisine? Alors je surveille. Aujourd'hui c'est exceptionnel. C'est Rita qui fait la cuisine. Il manque tout de même une présence féminine ici, hein? C'est-à-dire que les femmes, on les aime bien, mais pas à la maison. Pourquoi? Parce que dès qu'une femme se met à faire le ménage et à ranger, on ne trouve plus rien. Exemple, je sais que sous la cloche à fromage, il y a la clé. Pourquoi pas?
Tenez, si vous étiez ici, où vous rangez les clés? Au porte-clés. Et comme nous, on a l'habitude de le ranger sous la cloche à fromage, on ne le trouverait jamais. Logique, non? Et voilà pourquoi votre fille est muette. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ce soir, on mange des pâtes. J'espère que vous aimez les pâtes. Les pâtes, c'est ça. Ah, c'est original comme armoire. C'est un souvenir. On n'avait pas eu le temps de le découper, on l'a embarqué à la maison. Et vous savez ce qu'on a trouvé à l'intérieur? 500 balles et un mot du propriétaire qui avait marqué « J'avais prévu votre visite. Et comme je ne suis pas un ingrat, je vous laisse ce billet pour vos frais de déplacement. » Et ça, c'est notre plus gros coup. Mais vous n'avez jamais vécu avec une femme? Vous n'avez jamais été amoureux? Amoureux, moi? Oh oui, je l'ai été. J'ai même vécu un peu avec une femme. Ah ben vous voyez. Mais ça a été catastrophique, un vrai désastre. Elle était gentille, mais elle n'a jamais pu comprendre que pour moi, la cellule familiale, c'est les copains. Dommage, je l'aimais bien. Mais on se refait pas. On peut s'améliorer. Vous croyez? Moi, je crois. Eh ben, on va essayer. Vous aimez mes pâtes? Oh, t'as déjà dit, c'est bien, très bien. Vous n'êtes pas gentil, elles sont délicieuses. Oh, merci, Annie. Encore un petit peu? Pas du tout, merci. Voyez-vous, ma chère Annie, nous ne sommes pas foncièrement malhonnêtes. Mais dans la vie, il y a deux sortes d'individus. Les bons et les méchants, les chefs et les subordonnés, les riches et les pauvres, les gendarmes et les voleurs. Et là, j'ajouterai une sous-catégorie. Les voleurs et les volés. Et alors, pour ne pas être volé, on est devenu voleur. Exact. Vous auriez pu devenir aussi gendarme. Ah. Il faut une éventualité qui ne vous est jamais venue à l'esprit. Allez savoir pourquoi. Non, vous serez toujours des marginaux. J'en ai bien peur. Aldo, votre opinion? Moi, je suis tellement marginaux que je me demande si les autres sont vraiment normaux. Normaux. Normaux et marginal. Oui, marginal et normal. 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 Charlot, et vous? Ah, mais moi, je suis tellement normal que ça se voit pas. Si j'ai bien compris, il n'y a rien à tirer de vous. C'est la loi du sort. Nous ne faisons pas partie des élus. Vous ne faites pas partie des enfants de Marie non plus? Oui. Non plus? Non plus. Non plus. Enfin, non. Bon, ça suffit. Maintenant, vous allez m'expliquer ce que vous faisiez dans la voiture quand Garmisch vous a coincé. Vous étiez bien en train de la piquer, non? On essayait. Et on n'a pas pu. Ah bon? Parce que notre copain Aldo, il sait pas conduire. Et ça, il nous l'avait jamais dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu ferais bien de te taire. Hein? Mais et vous deux, là? Ah ben nous, on s'est pas conduire non plus. Mais on n'a jamais prétendu le contraire. Oh, jamais. En somme, vous manquez de coordination. C'est ce que j'ai toujours dit. Bon, allez, on débarrasse, je fais du café. Mais non, laissez, Annie, laissez. Attendez, Damani, c'est mon boulot. Mais dis quelque chose, toi. Oui, c'est ton boulot, oui. Mais oui. Bon, vas-y. Le café. Le café, il est dans l'armoire à souvenirs. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre Monopoly. Oui, c'est un jeu que nous avons inventé, très amusant d'ailleurs. Nous y jouons souvent pendant les longues soirées d'hiver. Bon, on dirait les plans de hold-up. Ah, mais c'est ça! C'est exactement ça, c'est... Voilà. Alors, là, effectivement, c'est... Ça, c'est le fourgon. Oui, c'est ça. Et puis ça, c'est des gangsters. Pam, 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 pam. Et ça, c'est la route. Oui, je vois. Et c'est les arbres, là. Les arbres, du coup. Et ça, c'est la voiture de course. Très jolie. Oui, ça, c'est le circuit de Castellette. Et le petit bonhomme, là, c'est moi. Parce que ça se passe au Castellet. Oui, oui, c'est d'ailleurs le Grand Prix de France. Et on y joue à combien? À 3. On peut pas y jouer à 4? Ah. Pourquoi pas? D'ailleurs, nous n'avons ni voiture, ni personne pour la conduire. Et c'est pour quand? 2 juillet. 2 juillet. 2 juillet.
le 2 juillet si monsieur votre mari a la bonne idée de relâcher la surveillance de son garde-chirme qui jour et nuit veille devant notre porte. Ça, je m'en charge. Quant à la voiture, la mienne fera parfaitement l'affaire. Aldo n'a qu'à prendre des cours de conduite accélérée. Hein. Moi ? Oui, bien sûr. T'as raison, ça va te faire du bien. C'est évident. Et le 2 juillet, si la recette du Castellet n'est pas dans nos poches, je ne m'appelle plus Annie. Oh. Il y a d'ailleurs de fortes chances pour que je ne m'appelle plus Garmisch non plus. Vous feriez ça pour nous ? L'intuition et la persévérance sont les deux mamelles de la brigade. Ça, c'est bien. Dites-moi, vous allez essayer de vous procurer 7 à 8 sacs là, de transport de fonds pour appâter Garmisch, hein ? Oui, chef. Et ça s'arrose. Entrez. Alors, qu'est-ce que mon fin limier a encore découvert ? Oh, rien de très important, monsieur le commissaire. Comment, comment ? Vous me cachez quelque chose ? Non, rien, enfin, c'est-à-dire, il s'agit de votre femme, monsieur le commissaire. Comment ça, ma femme ? Eh ben, elle est restée chez eux jusqu'à 1h du matin. Et alors ? Si vous voulez insinuer ? Eh ben, rien du tout, je vous dis ça comme ça, c'est parce que je l'ai vu. Vous semblez y prendre un malin plaisir. Mais pas du tout. Méfiez-vous, Benoît, hein? Oui, monsieur le commissaire. Je ne vous ai pas demandé de surveiller ma femme, je vous ai demandé de surveiller ce transigoto, compris? Oui, monsieur le commissaire. Et si vous avez à me dire à leur sujet? Rien, monsieur le commissaire. Alors vous pouvez disposer. Tout de suite, monsieur le commissaire. Benoît! Oui, monsieur le commissaire. Êtes-vous sûr qu'il était 1h? Oui, monsieur le commissaire. Merci. Même pas 3 heures pour rentrer. Ça va ? Oui, ça va. Ça fait 10 fois que tu me demandes ça. Tu m'énerves. Laisse tomber, tu vois bien qu'il a le trac. J'ai pas le trac. Oh, presque pas. Eh oh, tu le fais exprès maintenant ? Hein ? Ah, attention, dans la voiture. Voilà. Vous repasserez dans 2 mois. Au suivant. Bonjour, messieurs. Bonjour. Aldo Rimoldi, mes amis. Cher monsieur, notre ami est très émotif. Ah. Sans notre présence, il perd la moitié de ses moyens. Aussi, nous permettez-vous de l'accompagner? On tiendra pas de place. On se met juste derrière. Oui, on se mettra derrière. Allez, montez. Merci, monsieur. Ben alors, qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah non, c'est rien. C'est un vieux réflexe d'autodéfense. Ah. Bon, alors, dépêchez-vous. Mettez votre ceinture. Bon, vous faites un demi-tour et vous prenez la première rue à droite, là-bas. Oui. Reste calme. Oui, je cherche de faire vite. Dites-moi, oui. Réellement, vous avez pris des cours? Mais oui, accélérez, messieurs. Magnez-vous? Oui, magnez-vous, la merde, oui, c'est la machine qui ne fonctionne. La guardez, c'est mais la... Non, mais c'est la voiture, monsieur. C'est la voiture, vous avez pris des cours, oui mais, ou non? Mais oui, monsieur, mais c'est la voiture qui se met pas en marche, non? Vas-y, c'est... vas-y. Mais écoute, tiens. Ne te trouble surtout pas. Oh, oh. Mais elle a fait exprès, elle. Oui, le candidat. Accélère. Allons-y. Oui. Je fais demi-tour. Oui, là-bas, la première rue à droite, je vous ai dit. Je le fais aujourd'hui. Non, allez. Mais, voilà. Attendez, ouais. Ça va arriver. Ça va. Ecco. Alors, bon. Demi-tour. Oui. La première à droite. Oui, monsieur. Là-bas. Oui. Ben, allons-y. Oh. Oui. De toute façon, ça ne change rien. Hein. Prenez toujours la première à droite. Descendez de notre
maintenant. Oui, monsieur. Allez, maintenant, tout droit. Tout droit. Ah, restez à votre droite. Merci. Voilà, maintenant, tournez à gauche. Oui. Tournez à gauche. Ça. Il est taré, ce mec. Tu veux... Quoi, mais laissez-le pour une fois qu'on rigole. Allez-y, allez-y, Aldo, foncez. Allez-y, Aldo. Allez-y, fonce. Oh, ça n'est plus de qui. Attention, Charles. La voiture. Attention, vélo. Ne te retourne pas. Arrête de le tournez à gauche. D'accord. Si tout le monde conduisait comme ça, il y aurait moins d'encombrement. Attention, le feu rouge. Excusez-moi. Eh, ça ne fait rien. Allez, prenez la première à droite. Et c'est reparti. Alors, je conduis bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Prenez le sens giratoire. Quoi? Prenez le sens giratoire. À droite. À droite. À droite. À droite. Oui. Oui. À droite. Oh. Je veux descendre. Maintenant, prenez à gauche. À gauche, je peux pas. Mais voilà, maintenant tu es dans le bon sens. Allez, foncez. C'est bon. Non, tout de suite, la pompe échange. Qu'est-ce que je fais là? Tout droit et à droite. Foncez. Je te traînerai devant les tribunaux. Descends pas. Ne descends pas. Je t'interdis de descendre. Laissez-le faire. Excusez-moi, monsieur, j'ai pas vu que c'était un escalier. L'escalier? Quel escalier? J'ai pas vu d'escalier, moi. Allez-y, allez-y. Doublez, doublez. Doublez quoi? Mais doublez-moi ce camion. Oui. À gauche. À gauche. À gauche, oui. Oui, mais doublez-moi ce camion. Comme ça? Mais non, pas le trottoir. Mettez maintenant votre clignotant. Attention. Qu'est-ce que c'est, clignotant? Mettez le clignotant. Oui, attention. Allô? Allô? Où on est? Je suis là! Répondez-moi! On est dans la voiture, à côté de toi! Madame Roum, dis-moi, dis-la! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma faute, c'est la faute du camion! Taisez-vous! Hein? Mais enfin, on peut conduire vite sans rentrer dans les camions! Mon vieux, il faut apprendre à vous contrôler, hein? Mais vous rigolez tout à l'heure! Je rigole, fini! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai pas mon permis de conduire? Et puis quoi encore, mon cher? Recaler! Enfin... Cher monsieur, il l'a pas fait exprès, ce n'est pas de sa faute! Y a rien à faire! Moi, il ne faut pas me courir sur les haricots, hein? C'est pas des haricots, c'est des pâtes! Mais vous! J'ai planqué dans la voiture. Mais mène-toi, vite, t'es connu, on est obligé de faire 7 voyages, je t'aurais pas oublié 7 sacs. Il y a bien que j'ai un trouvé, hein? Oh, oh! Allô? Ici l'inspecteur Benoît de la police judiciaire. Passez-moi le commissaire Carmiche, en priorité. Mais dépêchez-vous! Monsieur le commissaire? Ouais. Allez, mène-toi.
Ça, c'est le troisième. On a 17. Plus que 5. Mais non, plus que 4. 4 et 3, 7. Oui, Charlotte, t'as raison. Allez, un diamant. Ils amènent les sacs chez eux, oui. Je les ai piqués. Comment ça, vous les avez piqués? Oui, je les ai piqués. Nous les avons piqués. Oui, nous les avons piqués, monsieur le commissaire, mais on les a quand même piqués, hein? Ne bougez surtout pas, hein? J'arrive. Je veux le pognon et les bons hommes vivants. Tenez bon! C'est la gloire. Bon, allez, allez, manne-toi! Ça fait plus que trois, Charlotte. Ben arrête tes conneries, on va se gourer. Ça fait combien, celle-là? Eh ben, y a pas de numéro. Moi, je sais. Ça fait 4 que tu lui donnes. Oh, petit, si toi aussi tu t'emmènes, on n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que vous faisiez? On fait un hold-up. C'est un jeu? Oui, mais pour les grands. Alors, je ne peux pas jouer avec vous? Ben, écoute, je t'expliquerai plus tard si t'es sage. C'est promis, hein? Mais oui, puisque je te le dis. Oh, merde, les blés déjà. Tiens, allez, tire-toi, soldat. Monsieur le commissaire. Si vous voulez vivre un grand moment de votre vie, suivez-moi. Où c'est? C'est là, monsieur le commissaire. Allô? Allez-y, les enfants! Antigang, avec moi! En avant! Allons-y, les enfants! Bouclez-moi toutes les issues! Ils sont mordus à la leçon. Chacun à son poste! La moitié des effectifs avec moi! Tiens, grand, prenez le reste! À vos places, imbéciles! Alors, en pleine activité, tas de feignants. Hey, je te parle à toi aussi. Ah bon? Ouais. Monsieur le commissaire, avant d'entrer chez les gens, on frappe. Ta gueule. Et poli avec ça. Il y a eu un crime dans le quartier? Où sont les sacs? Dites-moi, c'est un roman à épisode, votre histoire? C'est lequel? Celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Fouiller la baraque! Un petit verre, monsieur le commissaire. Avec une glaçon, monsieur le commissaire. Avec de l'or, commissaire. Pardonne-moi. Benoît! Oui, monsieur le commissaire. Toujours rien? Non, rien. Rien pour le moment, monsieur le commissaire, mais ça ne saurait tarder. On n'a rien trouvé en vain, monsieur le commissaire. Vous entendez, Benoît? Oui, j'entends bien, monsieur le commissaire, mais je ne comprends pas, je les ai vus rentrer. Il y a combien de sacs? Au moins une vingtaine. Ah non, je m'excuse. Monsieur le commissaire, on n'a rien trouvé. On a fouillé le premier étage et le grenier avec. Cette fois, ça va vous coûter cher, Benoît. Quant à vous, on va rigoler 5 minutes. Bon, arrêtez la fouille. Bon, alors foutez-moi 10 hommes en faction autour de la baraque, jour et nuit. Arrêtez! Vous voulez toujours pas me dire où sont les sacs? Ça continue. Ça recommence. Oh, c'est pas possible. Hein. On a que dalle. Eh bien, c'est votre dernière chance. Et puisqu'on vous dit, monsieur le commissaire, que nous n'avons ni les sacs ni l'argent. Oh, regardez-moi ça. C'est une surprise, ça, non? Oh, mais qui est-ce qui t'a donné ce joli sac, mon petit garçon?
C'est Charlot. Ah. Fais voir un peu. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hey. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hold-up. Benoît. Oui, monsieur le commissaire. Vous êtes viré. Ah bon? Ça vous étonne? Ah non, monsieur le commissaire. On se retrouvera. Bon, on remballe. T'en veux un? Mon chéri, mon petit amour. T'as bien dormi, Guy? T'as rêvé de moi? Ouais, ouais. Hein? Ça sent le café. Ouais. Qui m'a j'aime pas les biscottes? Mais c'est bon pour ton régime. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, hein? Et Benoît les a vus. Quoi? Les sacs? 20 qu'il en a compté. 20 qu'il en a transporté, ce grand con Grimaldi. Là, je comprends plus rien, moi. Ou alors, ils sont plus forts que je ne l'imagine. Ou alors, c'est moi qui suis devenu très mauvais. Mais non. Tu sais, finalement, on trouve toujours quelqu'un de plus fort, hein? Écoute, je ne sais pas où sont les sacs. Mais ce que je peux te dire, c'est ce qu'ils vont faire. Qu'est-ce que tu racontes? Crois-tu qu'on passe notre vie à se rouler les pouces au ministère? Ils ont bel et bien l'argent de la banque. Benoît a bien vu rentrer les sacs. Seulement, ils sont effectivement beaucoup plus malins qu'on ne le pense. Dangereux qu'ils sont. Bon, dangereux est un bien grand mot, mais malins, oui. Et tu sais ce qu'ils vont faire de cet argent? Eh bien, le 1er juillet au matin, ils vont l'embarquer pour la Belgique par le petit poste frontière de Mons. Ça te va comme renseignement? Comment tu sais ça, toi? Je le sais, c'est tout. Je te crois pas. T'as qu'à aller voir. Si c'est vrai, alors là... Alors là, je m'incline. Remarque, je m'en doutais. Dès que je t'ai rencontré, j'ai tout de suite vu que tu étais une fille honnête. Mais par contre, ce que je ne pouvais pas soupçonner, c'est que tu deviendrais une vraie femme de flic. Et ça, Annie, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Je te remercie, mon chéri. Nous sommes tous des enfants, tout va bien. Tout est prévu, tout est au point. Il ne reste plus qu'à agir. Hola, 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 hola. C'est pas tout à fait à point, Jeannot. Attention, il faut que vous répétiez encore. Toi, tu peux arriver, mais dis donc, Charlot, il marche comme un ours. Ça, c'est vrai. Tu arrêtes de dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu marches comment, toi? Comme un éléphant. Chaque fois que je te dis quelque chose, tu réponds méchamment. Et c'est pour ton bien. Ça, c'est vrai aussi. Ben, il n'y a qu'à dire que je marche normalement. Bon, bon, d'accord. Si tu veux, tu marches normalement comme un ours. Ah, ben, le voleur commence. Ah non, je vous en prie, mes enfants, vous n'allez pas continuer, hein? Ah, tiens, voilà. C'est comme ça qu'il faut le faire. Hein? C'est bien, ça, hein? C'est même très bien. Oh là, on n'y arrivera jamais. Mais oui. Alors, mais si, là, si, si. Je ne suis pas très bien. Viens, 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 Jeannot, viens. Viens avec moi, viens. Viens, Jeannot, viens. Les enfants, la chose plus importante, c'est de faire rouler les A. Comme ça, regardez-moi. Merci. Voilà, c'est ça. Bien, bien. Moi, faire Strasbourg-Paris à la marche. Qu'est-ce que c'est, Strasbourg-Paris? Les Strasbourg à Paris. Comme ça. Mais non, je comprends pas le principe, pas tout. Oui, dis-moi, regarde. Super, Jeannot, super. Roulez bien, roulez bien. Je suis pas très doux, mais je crois que ça. Charlot! 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 Charlot!
Carlos Rockman semble avoir des problèmes de pneumatique. Carlos Rockman, en effet, s'arrête à son stand. Jacques Lafitte, sur la vigier numéro 26, prend donc la tête de la course. Allô? Allô? Ici Francis Sherman. J'appelle Blanche-Neige. Tu m'écoutes? Oui, Blanche-Neige. J'écoute. La Ligier est en tête. Tu veux dire la Ferrari? Non, la Ligier. Cesse de déconner. Le code, c'est la Ferrari. Non, c'est la Ligier, monsieur. Oui, oui. Vous dites la Ligier. La Ligier, c'est monsieur qui l'a dit. Il l'a vu avant que moi. Alors? Il n'a rien compris. Bon, le fourgon est parti? Oui. Quoi? Parfait. S'il y a un changement, préviens Charlot et Radley. OK. Castor appelle Furet. Castor appelle Furet. Je te reçois 5 sur 5. Le code a changé. C'est la Ligier qui est en tête. Bien reçu, Castor. Jacques Lafitte sur Ligier s'arrête à son tour à son stand. Tu m'entends? 5 sur 5. Alors si tu m'entends, intervertis tout de suite les panneaux. C'est comme si c'était fait. Merci de bien s'y rendre, c'est appris de la façon suivante. En tête, Jean-Pierre Chabrouillet sur Renault, suivi de Carlos Rodriguez et de Jacques Lafitte. Allô, allô? Ici Prince Germain. Ici, Prince Charmant, t'appelles Cendrier. Excusez-moi, Cendrillon. Ouais, ici Cendrillon. Allô, gendarme Croton, j'écoute. Parfait, les Renault sont en tête. Quoi? Les Renault sont en tête. Mais qui est Renault? Et je ne sais pas, les Renault sont en tête à la Ferrari. Eh, je comprends rien du tout. Mais oui, c'est ça qu'il a dit. Les Renault sont en tête à la course. On s'en fout des Renault. Le fourgon blindé est parti. Quel fourgon? Le fourgon blindé. Mais arrête tes conneries, Bernard. Ah oui, oui, le fourgon est parti. Alors applique, imbécile. Très bien. Alors ici, Prince Germain, je quitte, je coupe. Oh là là, c'est Rital. On se demande comment la mafia n'a pas fait faillite avec des tordus pareils. Que ça. Mais sur le chemin, je t'en pense des chaussées. Heureusement qu'on connaît la route. Allez. Ils ont peut-être changé d'itinéraire au dernier moment. Jeannot a appelé Aldo. Normalement, il doit suivre le fourgon. Allô, Prince Charmant? Allô, Prince Charmant? Si tu m'entends, on va coincer le fourgon sur l'autoroute. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il y passe. Allez, on y va. Sur l'autoroute en direction de Toulon. Ouais.
alors qu'est-ce? Je vais tout droit, là? Oui, c'est ça, tout droit. On est marron, puisque je te dis qu'il y avait marqué Marseille. On s'y gourait. Tu es sûr? Sûr et certain. Alors qu'est-ce que je fais? Alors demi-tour. On est marron. On a crevé, on descend. Allez, dis toujours. On n'est pas marron. Oh! Hé! Tiano! Mais qu'est-ce que c'est que ce guignol? Là, derrière, dans la Stratos. C'est Aldo. Tiano! Et oui, c'est Aldo! Il nous a vus! Les Fulgons! Tiano! Annie, il faut absolument rejoindre l'autoroute. Oui, mais à quel endroit? Mais où il a été piqué, cette bagnole? Et discret avec ça. Ah bon, on est foutus, on va se faire repérer, je l'ai toujours dit qu'on serait marrant. Ferme-la, tu vas finir par nous porter la poisse, merde alors. Tiano! Tiano! Là, là, tenez Annie, il y a une entrée de service de l'autre côté du pont. Tiano! Les Fulgons! Ok, on y va. Je l'avais bien dit. Et si j'essayais, moi? Ah oui, Annie. Ah oui, mais ça fait plus vrai. Mais non, on est marron. Tu vas la fermer, ta gueule. Allez. Ouais, de toute manière, ils ont pris pour des travelots. Tu montes, vous, merde. Ouais, voilà. Je sais plus quoi faire maintenant. Ouais, cette fois c'est vraiment foutu. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous l'avais bien dit qu'on serait marrant. Bah, évidemment, à force de le répéter. Oh, vous allez pas vous laisser décourager comme ça? Mais les barjots, hein. Oh, allez, venez, on y va.
Mais qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Mais remettez-vous, remettez-vous. Oh là là. Eh ben, ça fait de mal peur. Hein. Mais oui, mais... Il a bu. Il est chaud. Oh, vous avez bu? Qu'est-ce que ça fait? Aldo! Il faut de l'air! Aldo! Mais Aldo, ça, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais vous, vous connaissez? Mais évidemment qu'on se connaît! Mais qu'est-ce que. Réveille-toi, moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est. Mais il a dérapé dans le virage et ça fait une belle trouille! Bah forcément, il sait pas conduire! Mais vous êtes des hommes! Eh oui, mon pote! Ça t'embouche un coin! C'est Charlot! Mais non! Mais c'est... Si! C'est Charlot! Non! Si! C'est Charlot! Mais non! Si, mais non, je ne connais, si, connais pas lui! Je ne connais pas... Qui c'est-elle? Si, mais non, je ne connais personne, moi! Je suis fou, moi! Je suis fou! Où on est? Qu'est-ce que j'ai fait? Près du fourgon! Les furgons? Les furgons! On est riche! On est réussi! On a le fourgon! On a le fric! Vive le Brésil! Vive le Brésil! Qui sont les deux messieurs? Oui. Justement, des convoyeurs du fourgon. Oh! Ah, bravo! Enchanté, Aldo Rimordi. Merci! Plein de fric dans le fourgon. Go! Merci de les fric. Vive le Brésil! Oui. Venez avec nous! Venez! Venez avec nous! Allez. Au Brésil! Oh, c'est le palu! C'est le palu! C'est l'économie! Il est pas trop bien! Tiens-moi le fourgon! Que le fric, tiens-moi! Vive le Brésil! Allez! Allez, allez, on y va! Allez, Aldo, c'est du fric! Voyez-vous, mon petit Benoît? Oui, monsieur le commissaire. Non, rien. Ah, bon. Vous avez entendu, dans 4h30. Eh oui, nous arrivons à Rio. De Janeiro. Et grâce à qui? Garmisch, on sait. Arrête, connerie, enfin. Arrête tes conneries, sans Garmisch, on ne l'aurait pas connu. Enfin, ça, c'est exact. Alors, ouais. L'intuition et la persévérance sont les deux mamelles de la brigade.